You visit the Kaiservilla we saw in Barishal for your postcard shooting. How did you like working together with the photo artist Chiro, Jimmy Zhu? I never forget Chiro, yeah? Because he's an artist and he has a big talent. And it was an amazing day for me, because when I was young, I dreamed in front of the film of Sissi. And my dream is to make one day the same life of Sissi. And when I arrive, it's an amazing for me moment, and never I forget this day, because all the people is enjoy, is and me too, me, it's my dream. You love the historical setting? Yeah, yes. Oh, sorry, my English. Perfect. You understand me? I speak very, very well. How was the second rehearsal compared to the first rehearsal? I think today it's... Je suis encore émue. Je suis encore émue. Je suis très contente. C'est assez rare pour une artiste d'être satisfaite de son travail, surtout pour moi, car je suis toujours difficile, mais je dois être sincère aujourd'hui et je me suis sentie très très bien. I'm still touched, very very touched, and I feel very very happy. And it's always difficult for an artist to be happy and satisfied. I'm still amazed and very touched. And did you have any changes on stage? I think now it's okay. Stop. You're fit for the final. Yeah. Good. Before we go on with the questions from the audience, we've got to determine in which half of the final you will compete. Now it's your turn. You have to pick the pedals. Yes. First or second half of the grand final. Do you like the first or the second? Yes. Everybody? Oh, second. It's okay. I'm okay. I want to go. Okay. France. Now I open. You want to open? No. Because it's your choice. It's your choice. France, it's your choice. She's responsible. I am here today. France will compete in the. Start with the questions from down under. The first question. Bonjour Lisa, Alistair Loach, de la radio SBS en Australie. Pourriez-vous me dire quelques mots au sujet des graphiques à l'arrière? Est-ce qu'elles sont basées sur une ville particulière ou comment est-ce qu'on les a créées? Can you tell us a few words about the graphics at the back of the stage and were they based on a particular town or how did you create? C'est Nathalie André qui a fait le choix de la chanson qui représenterait cette année la France à l'Eurovision et qui a eu cette vision de mettre des tambours et qui a appelé un monsieur qui s'appelle Monsieur Blondin, qui est un grand artiste et qui nous a fait de belles images par rapport à ce que Nathalie imaginait. En fait, c'est François, merci de parler français, c'est gentil. C'est un artiste en France qui s'appelle Olivier Weber, une société qui s'appelle Phase 4. Son surnom est Blondin et on fait beaucoup d'émissions avec lui. Et quand on a écouté ce titre et qu'on a imaginé ces tambours, le problème était que nous n'avons le droit qu'à être 6 sur scène.
Et pour vous avouer la vérité, j'ai eu l'idée avec le clip de Beyoncé au MTV Awards de dédoubler les tambours derrière. Et quand il m'a dit que c'était possible, c'était une grande joie pour nous. Tu veux traduire ? First, Lisa's answer. It was Nathalie André who chose the song, and she had the visions of the drums, and Mr. Blondin was responsible for the graphics. Actually, it is Phase 4 with a responsible gentleman, Olivier Weber. When they listened to the song, they had this idea. The only issue was that they were allowed only 6 people on stage. And Mrs. André had the idea when she listened to Beyoncé at the MTV Awards. And when she heard that it was possible to put the drummers on stage, they realized this vision they had, and they put the graphics. Et je lui ai surtout demandé de dessiner l'histoire de la chanson, de cette femme qui était au milieu d'une rue d'un village qui marchait et ce village qui à la fin se reconstruisait. Voilà. And she asked him especially to draw the story on the stage, and the story of this woman who is in the middle of her village, destroyed village, and is going to be reconstructed and rebuilt afterwards. That was very important for me. Any question from Australia? Next, South Africa. Bonjour Lisa, ça va? Oui, et vous? Oui, bien, merci. Vous parlez très bien français. Merci, je t'ai appris à l'école. Moi aussi trois, l'anglais. Trois ans. Ça va tout dire pour tous. Quel est le nom de ton chanson en anglais? Don't forget. Oui. N'oubliez pas. Parce que il y a beaucoup de personnes qui ne parlent français pas. Et ton chanson est très beau et nous sera croire meilleur ton chanson. On est riche. Oh, okay. Oh. Sorry. Please tell everybody what the name is of your song in English. Don't forget. Thank you. It's very important because a lot of people don't speak French, and it's a beautiful song, and they should know what it means. Thank you. Thank you. Et ma question, et pour continuer un peu avec la question de notre collègue ici d'Australie, l'histoire de la chanson, d'après ce qu'on a lu, c'est basé sur des histoires de la Première Guerre mondiale. Mais est-ce qu'il y a une histoire particulière dans la base de la chanson? Parce que moi, par exemple, ça me rappelle beaucoup de l'histoire de Radouf Soudan, c'est de la Deuxième Guerre mondiale. Bien sûr. Si je pense. Ok, sorry. I was asking that, well, continuing a little bit with the question that your colleague asked, I wanted to ask what the base for the story of the song was, because what I read is that it was based on stories from the First World War I, but it reminded me a lot of a story from World War II, which is the massacre of Ouadouzouglag, some event that happened in France. Je pense que la chanson, effectivement, a pu... La chanson rend hommage aux femmes du monde entier, avec ce qui peut se passer partout. Tout le monde peut s'approprier cette chanson. C'est pour ça que je pense qu'elle a un effet magique sur beaucoup de gens, car qui de nos jours n'a pas vécu de drame? Très peu de personnes, et dans le monde entier. Donc, mais ce n'est pas une chanson pour pleurer, c'est une chanson qui donne de l'espoir. C'est un message... Oui, de paix, un message d'espoir et une femme qui est debout, qui se bat, elle n'est pas là en train de pleurer. Et je pense que c'est une belle image à donner aux femmes car très souvent, elles sont dans l'ombre et on en entend peu parler. Et elles donnent beaucoup d'amour et c'est important de les mettre à l'honneur et je suis très fière d'ailleurs de les mettre à l'honneur à ce niveau-là et partout en Europe.
It's a song that pays tribute to the women of the world. It's a magical effect, and it recalls the terrible things that have happened all over in the past and now. It's a message of peace, it's a message of hope, and the beautiful image of this woman who has the strength to rebuild everything is very important, because very often women stay in the shadow. Thank you. Bonjour, je m'appelle Simon, je représente la Pologne, enchanté de faire votre connaissance. Il y a beaucoup de chansons françaises, parce que c'est pas la France unique qui chante en français, n'est-ce pas? Voulez-vous dire quelles sont les chansons plus favorites par vous dans l'histoire de l'Eurovision? C'est la première question. The first question, among many French songs, not only sung by France, but also the countries which where French is spoken, which song in the history of the Eurovision Song Contest is favorite by Lisa? And the second question is, the French music industry, it's different type of music, of course. Maybe we have a lot of styles present in the French music stage. Who could be next contender from France in the Eurovision Song Contest who would give a very modern impression of your country? Alors, for the first question, I understand. Ne partez pas sans moi, ne partez pas sans moi. Laissez-moi vous suivre, vous qui volez vers d'autres vies. Laissez-moi vivre. Je suis une poupée de sirène, une chanson, poupée de sirène, poupée de sang. Et n'oubliez pas. Comme un enfant. Ok. Maybe one time I go to Vienna and I make a concert special Eurovision. Why not moderne, je pense. I don't know, j'ai jamais réfléchi à ça. On va déjà se concentrer sur moi et essayer de remporter le concours. Et puis après, je ne sais pas, franchement. Je pense que dès l'instant où on a une belle chanson et qu'on chante avec son cœur, qu'on soit moderne ou qu'on ne le soit pas, je pense qu'on a notre place pour faire ce très beau concours et cette très belle aventure.